Personnellement, si je devais parier, puisque je ne parie pas, je partirais sur Peter. Mais ah, en plus, c'est une structure belge. Voilà. Des deux, c'est Brésil, oui. France. Et Mirage, c'est Brésil. Je Brésil aussi, en fait. Hein, je sais pas comment a fait l'Équateur pour piquer leur map, mais est-ce qu'ils l'ont fait les yeux fermés? Oui, la chance, ouais. Technique d'oeil, c'est toi la map. Ah merde, c'est une map du Brésil. Ouais, bah tant pis. Doc Ginico, le premier joueur au monde est Olaf et le deuxième Kenny S. Non. Juste non. Le premier joueur au monde c'est Olaf, ça oui. Mais le deuxième joueur au monde c'est pas Kenny S. Kenny S est trop instable. Désolé, mais pas lui. C'est même plus la première à web du monde. Tout simplement parce qu'il est trop instable. Hein. Il est beaucoup trop instable. Loki. Vous entendez quoi par instable? Il est capable, bah comme je disais, hein, pour toute l'équipe qui tend, hein, il est capable de te mettre la foudre comme de la prendre lui-même. Il est capable de te faire une game binaire comme de rien faire du tout. C'est ça, s'il prend son AWAP, qu'il rate son duel à l'AWAP, il va peut-être la reprendre une deuxième fois, mais il aura pas le... Il sera déjà pas bien. S'il rate son duel une deuxième fois, il ne touchera plus l'AWAP de la partie. Sauf si on le force. Et encore, il sera mauvais avec. Kenya, c'est un joueur qui joue énormément au mental. Et du coup, s'il perd un tout petit peu le mental, c'est fini. Il touche plus. AK, M4 ou AWAP, les casters? AK. M4. Personnellement, moi, je suis un grand fan de la M4. Bah, après, moi, je suis plutôt sur la SG 553. Mais bon. C'est plus que Cyrog. Mais ouais, ouais, pas, pas AWAP en fait. Pas AWAP du tout. Ah si, AWAP, si. Enfin, si je suis en forme, ouais, je vais faire AWAP. Après, voilà, moi, je suis au rifle, donc... Mais c'est vrai que la SG, c'est une arme qui est vraiment insultante, en fait. C'est une AK avec un sniper, avec un viseur. Bon. Ouais. Et là, par contre, je peux pousser un petit coup de gueule, quand même. La différence entre la Hog et la SG 553... C'est que la Hog, un tir dans la tête fait 99 dommages alors que la SG 553 en fait 101. Avec un casque, hein, je parle. Hein, par avec un casque. Et Bloodhog est moins précise. Voilà. Moins. Si, ouais, on s'en fout, c'est la première balle qui compte. Ouais, ouais, non, la bien tête, sûr. Tu poques la tête. Mais je comprends pas pourquoi la SG tue alors que la Hog te laisse un HP. Déjà. Mais non, mais elle est moins précise avec sa deuxième et troisième balle en fait. Mm. Là où la SG. Ah oui. Tu vas rester précis en fait. Même si tu vises le corps, tu vas pouvoir lui en mettre 3-4 dans le corps. Alors que l'autre, tu vas lui en mettre 1, 2 si tu as de la chance quoi. Alors que ça y est, on part pour le gun round. Alléluia! 35 minutes de retard. Bon, après, Red a raison. Hein. On commande plus. Après, on est tranquille. Après. Bref. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau du stuff? On a acheté 2 diffuse kits et 2 HE ainsi que 2 Kevlar pour le Brésil. On a acheté 4 Kevlar et 2 flash, une fumée pour l'Équateur. Effectivement, l'Équateur qui va donc commencer en terreau. On va passer au niveau de cet underpass pour 3 joueurs. C'est Barretuki, Bonti et Piki. Attention, on a un joueur qui est bien placé, c'est Phelps. Voilà, qui a vu ses adversaires, qui va lancer une HE, qui ne va toucher personne. Et on va donc déclencher une 3-2-A assez rapidement. Les CT qui sont déjà en train de faire la rotation. C'est Lucas qui va prendre le premier qui paraît du qui sont short time. On t'a perdu voilà. Widow hein, qui met la bonne tête sur Lucas. C'est dommage hein, parce que Lucas avait une bonne décale au niveau de ce mid. La bombe qui est posée, l'Équateur qui va mettre le premier round. Effectivement, l'Équateur qui va mettre le premier round de manière plutôt propre.
Du coup, 1-0, on va devoir faire une écho du côté brésilien et on va faire un force buy. Alors que du côté équatorien, eh bien, on va sortir 2 Galil et 3 PM. Attention, donc, au force buy fist. Du coin, on va agresser ce middle du côté brésilien et c'est Baretuki cependant qui va prendre le premier kill sur Showtime. Phoenix sur Baretuki. Relic sur Phoenix. Tank 4v3. Ouais, c'est ce tout petit HP. Et c'est Colzera hein, qui va faire tomber Widow. On a Piki qui revenge sur son mate. Lucas qui revenge également. On est en 2v2, on ramasse les armes. On a ramassé une Galil là, sur Phelps. Attention, hein. Néanmoins, à la rotation sur ce site bombé. Effectivement, on s'en sans douter du côté brésilien. Et du coup, c'est Phelps qui va y aller. On peut le faire, hein. Il est face à des PM. Il est passé dans le un des joueurs. Que c'est Lucas qui fait l'appel. Ah, oh, très bien joué de Relic hein, qui était arrivé dans le dos également. Effectivement, hein, c'est pas passé loin. Hein. C'est pas passé loin. Pas passé loin du tout. Mais du coup, à 2-0 en faveur de l'Équateur. On va sortir des AK. On va faire une écho du côté brésilien. 3-0 normalement à la fin de ce round. Le Brésil, plutôt mal, je trouve. Hein. Brésil qui quoi? Parce que t'as des sérieux drops en fait tu tournes à 250 de ping sur le TS donc Je disais Alors qu'on a Widow hein, qui prend le bon premier kill sur Kul'Zera. Je disais le Brésil qui commence plutôt mal. Oui Après c'est le gun round hein. Ils ont perdu le gun round Bah ils perdent Widow hein, qui va faire tomber Lucas. On est déjà en 2, en 1v5, puis qui va faire tomber Showtime. Qui n'a plus que 5 HP et Relic qui va faire tomber Phelps. Voilà, un petit 3-0 bien. Effectivement, un petit 3-0, plutôt pas mal de la part de l'Équateur maintenant. Round d'armée suivre, pas d'AWAP de sortie ni d'un côté ni de l'autre. On va voir. Et normalement, c'est maintenant que l'Équateur commence à pleurer. Normalement. Maintenant à voir hein, peut-être que l'Équateur s'est réveillé entre temps et va mettre un massacre sur le Brésil. Maintenant ça m'étonnerait quand même. Bah vu ce qu'ils se sont pris hier, à mon avis soit ils ont des briefs, ils sont remis les choses au point, ils ont bien dormi, soit ils ont pas bien dormi du tout quoi. Hein. Effectivement alors que du coup on a Colzerain qui est au niveau de... Il y a des joueurs qui sont juste en dessous de lui, ça y est il le sait. Il va se faire stuffer et il va prendre le premier kill sur Piki. Il va avoir au moins un adversaire en plus et c'est Bonti sur Phelps. Widow sur FNX, Colzera et Lucas sur Bonti et Baretuki. On est tombé dans ce middle, on est en 2v3 à l'avantage du Brésil. Du coup, c'est Showtime sur Showtime, qui Widow. Va prendre la bonne balle sur Widow et Lucas qui va mettre la bonne tête sur Relic. 1 à 3. 1-3, le Brésil qui rentre au scoreboard. On va pouvoir acheter hein, du côté équatorien, c'est pas le souci. Est-ce qu'on va sortir une AWAP? Oui, on va sortir la WAP pour Widow. Et pas d'AWAP du côté brésilien. Ouais, attention à Colzera hein, au niveau de ce mid. Si la WAP se pointe en face de lui avec sa M4, soit il met un POC, soit ça va pas le faire. Effectivement, un Widow qui vient se faire stuff, du coup il ne peut pas pour l'instant prendre de ligne pour ses six bombes B, alors qu'on est stacké à 4 hein, dans ses appartements B. Et c'est Widow d'ailleurs voilà, qui va gagner le premier kill sur Showtime. On est en 5v4 avantage de l'Équateur. On va passer sur ce site bombe B. Cependant, c'est Lucas qui va être là sur Baretuki.
Widow sur Lucas. La bombe qui est posée. 3v3 dessus. Kulzer hein, qui prend un bon kill sur, sur Piki. Widow qui va revenge instantanément son mate. 2v3. Relic qui va prendre un bon kill sur Phelps. Phelps qui est totalement Et naïf. Widow triple quadra kill pardon avec son AWAP. Quadra kill. Widow très très chaud avec son AWAP déjà hier. Malheureusement l'arme plus forte. Mais 4-1. Le Brésil qui je trouve est plutôt naïf. Dans ses positionnements et dans ses reprises de site bombe. Ouais, 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 ils sont pas très très agressifs. Phelps hein, qui a par contre rushé cet appart. Qui va faire tomber Relic, Bounty, qui va faire tomber Lucas Showtime sur Bounty, Phelps de nouveau sur Piki. L'Ecofist en marche. Effectivement, là par contre, on est en train de se rapprocher rapidement d'un Ecofist qui reste joueur. Phelps qui va prendre un bon kill sur Widow. Daretu qui prend un bon kill sur Kulzera et Kulzera qui va tomber sous les balles de Phelps. Effectivement, et du coup, c'est... Non, Ecofist. Ecofist de qualité de la part du Brésil. 4-2, et là par contre on envoie ses équatoriens directement en écho. Oui, et puis regarde, on a sorti sur Kulzera un petit AWA. Hop, on a ramassé des AK. Effectivement, bah en fait il l'a récupéré de l'équateur. Et ça c'est vraiment une bonne chose, hein. On sait stuffer, on sait équiper sur le dos de l'équateur. Alors que c'est Kulzera déjà qui va prendre la, le très bon premier kill sur Bounty au niveau de cet underpass. On est en 5v4. À l'avantage Brésil, Fnx sur Widow, Kulzera sur Barretuki, Fnx sur Relic. C'est un massacre. Il ne reste déjà plus que Piki avec son Deagle. Là ça pique là, Piki hein, au niveau de cet underpass qui va tomber sous les balles de Lucas. 3-4, le Brésil qui remet en round. Est-ce qu'on va partir sur une double écho côté équatorien parce qu'on n'a pas énormément d'argent. Ouais, on va partir sur une double écho pour pouvoir ressortir une AWAP et du stuff. Du coup 4-4 normalement la fin de ce round à moins d'un Ecofist. le Brésil qui peut totalement recoller au score alors qu'on a décidé de faire une agression rapide en A. Et c'est Phelps qui va prendre déjà le premier kill sur Bounty, FNX et Kulzera sur Barretuki et Piki, Widow sur FNX. Et c'est Phelps sur Relic, ça a été un massacre, un stop complet. De nouveau. Donc tiens. On va sortir, ça y est, un autre AWAP hein, sur Widow. Kulzera qui va venir assister son mate en B. Et c'était dommage hein, parce qu'il n'y aura personne alors qu'on l'attend au niveau de ce mid. Hein. Et effectivement, Widow qui tentait de prendre un petit kill au niveau de ce connecteur, il ne verra cependant personne. On est donc en 5v5. Et Chocolatine, bravo à toi, tu gagnes un code de 5€. Manifeste-toi sur le chat et après contacte contacte-nous via la page Facebook, pardon. Et tiens, GG à toi. Du coup, eh bien on est toujours en 5v5 cependant, il reste un peu moins d'une minute maintenant, 50 secondes maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire du côté équatorien? Mais pour l'instant, on va prendre le premier kill sur Relic. FNX, c'est Relic qui lui aura mis la tête. Et on va faire une agression en 3. En A. Showtime qui va prendre un bon kill sur Widow. Barretuki qui va revenge instantanément. Phelps également. Lucas qui prend l'option sur Piki. Lucas qui fait un bon double kill sur Relic. Et Phelps qui vient finir Bounty. On s'est fait arrêter net du côté équatorien et on les renvoie de nouveau en écho. Effectivement, on a ça y est, on a commencé à construire et à poser ce mur hein, du côté brésilien sur ces sites bombes. On va équilibrer un peu les monnaies du côté équatorien, donc sortir une AK Kevlar casque sur Barretuki. Attention, hein, il pourrait prendre plusieurs kills.
Et d'ailleurs, c'est Pique qui ferme la tête sur Showtime. Ouais, Lucas sur Widow. On a fait un gros bus en B. Bounty sur Lucas Phelps, sur Barretuki. Phelps, un bon double kill hein, sur Bounty, sur Relic, FNX qui est là pour venir chercher le dernier terreau qui était Piki. On va avoir le temps de diffuse sans aucun problème. Aïe. Ça y est, hein, la machine brésilienne qui est lancée, il faut l'arrêter tout de suite hein, du côté équatorien si on veut pouvoir espérer remettre quelques rounds. Hein. Effectivement, hein, c'est, ça va être un peu compliqué hein, du côté équatorien si on n'arrive pas à eh bien, simplement à casser ce mur. On va ressortir la WAP sur Widow, on a un setup double WAP qui était déjà là au round d'avant du côté brésilien, un sur Colzera, un sur FNX. Maintenant, comment on va le faire du côté équatorien? Eh bien, pour l'instant, c'est Relic qui va tomber sous les balles de Phelps. Bah, et qui va revenge son mate. Ça va le laisser à 47 HP. L'agression de Phelps qui était moyenne intéressante quand même. Hein, perdre, ouais. Perdre un homme comme ça. Oh, c'est Colzera. Et c'est Colzera qui va gagner son duel sur Widow. Colzera qui met un double kill sur Piki. Et HS Lager, comment est-ce qu'on va activer ces codes? Et bien sur Nitrado, hein, Nitrado qui est un hébergeur de serveurs. On peut héberger des serveurs de jeu comme des serveurs. Donc à activer sur Nitrado. Voilà. Et le Brésilien qui a fait tomber le dernier joueur équatorien. Et du coup, c'est un petit 7-4. Et on va partir. On est rentré en cycle loser, hein, il me semble, du côté équatorien. Je crois effectivement qu'on mettait 4-0. Hein. Mettait 4-0. Effectivement, donc, il mettait 4-0 et du coup, c'est le cycle éco loser. Alors que c'est Barretuki déjà qui va prendre le kill sur Colzera. On a essayé de ne pas sortir d'AWAP du côté équatorien, de toute façon, on n'avait pas l'argent. Phelps qui va revenge son mate. Mais une AWAP déjà qui est tombée du côté brésilien. Bonne opération de la part de l'Équateur. Ouais, attention à ce qu'elle ne soit pas récupérée hein, néanmoins. Effectivement, c'est Bounty hein, qui va faire tomber Phelps. Effectivement, on a lancé une petite CPL en A. Lucas sur Widow. Et Phoenix sur Relic. On avait l'avantage numérique du côté de l'Équateur et on vient de le perdre. Lucas hein, de nouveau sur Bounty. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à concrétiser. Hein. Ils prennent souvent l'entry kill et ils tombent après. Et c'est Piki hein, qui vient faire tomber Lucas. 2v3, la bombe qui est posée, les 7 à la reprise. Et Piki qui va prendre la tête de Showtime. Et Piki qui va faire le double, qui va mettre les deux têtes. Et mais honnêtement, il a spray comme un porc, c'est tout autour. Et la dernière balle qui part dans la tête, quelle hein, heureusement. Effectivement, mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça du côté brésilien? Je veux dire, bah décaler on s'est suicidé, là. Un AK avec 8 HP, c'est dur quand même. Non, mais surtout, c'est que il y en a un qui diffusait et l'autre qui ne couvrait rien. Enfin, il y a quand même le terreau qui a quand même du DK. Alors que c'est FNX qui va gagner face à Widow. Widow qui s'est un peu loupé. FNX double kill FNX sur Piki. Je sens que les Brésiliens là ils se sont énervés hein, sur le dernier round. Du coup on est déjà en 5. V3, Relic, 24 HP, Bounty 30. Relic qui va tomber sous les balles de Colzera. Dommage que Nyx n'avait pas assez de balles. Attention, il ne reste plus que 18 balles hein, dans sa M4. Enfin, Lucas qui va prendre le bon kill sur Bounty. Il ne reste plus que Barretu qui est son AK. Barretuki qui est en train de se faire encercler et c'est Colzera qui va le faire tomber. Perfect du côté du Brésil. Effectivement, perfect. Brésil qui a mis également son side, hein, tout simplement. HS Lager, les codes Nitrado, on les active sur Steam. Non, il faut aller sur le site internet Nitrado, de Nitrado, donc nitrado.fr. Et puis ben après te commander un compte, enfin un compte, un serveur et activer ton code dessus. Et attends, on s'est fait Phelps hein, qui prend le ban and kill sur Widow. Bah du coup comme on a gagné un round
tout à l'heure, le cycle Echo Loser a été réinitialisé, et du coup, on est en écho. On a perdu la bombe. Attention, cependant, on a quand même fait tomber déjà deux armes. Oui, c'est Phelps qui va faire tomber Bounty, il ne reste plus que Baritu qui est 16 petits HP qui va tomber sous les balles de Colzera. Excellent. D'une manière générale, une équipe équilibrée est composée de combien de snipers et selon vous, quelle est la compo idéale? Question d'Aodam. Tout dépend de la map, mais concrètement, je dirais une AWAP et un second sniper. Voilà. Ça, c'est un setup qui fonctionne à peu près sur toutes les maps. Alors que c'est FNX, hein, prendre le kill sur Helic, on est déjà en 5v4 pour le dernier round de ce premier side. FNX double kill sur Piki, l'Équateur qui. Bah effectivement, qui n'arrivent pas à concrétiser leur round, qui vont prendre peut-être l'entry, mais qui vont ensuite tomber. C'est quand même Bounty hein, qui va faire tomber FNX. Mais voilà, Showtime sur Barret. Qui est là pour relever son mate, Widow. Widow qui va mettre la bonne décalage hein, sur Colzera. Colzera qui se doutait absolument pas qu'il était là. Phelps hein, qui va revenge son mate. Il ne reste plus que Bounty, ses 25 petits HP, qui va exploser sous la HE de Phelps. Du coup, 10-5, mais effectivement, hein, Walk qui le dit, ces idiots qui move 1 à 1, tu m'étonnes que c'est free kill. Bah, c'est vrai que quand on a pris un kill, quand FN a pris un kill au niveau de cette terreau, il y a un autre joueur qui est arrivé, mais tout seul. Ah, il voulait revenge en fait. Il voulait prendre le revenge direct. Bah, ouais, bah écoute. Non, mais il y avait un mate qui était juste à côté de lui qui s'est pas montré. C'est ça le truc en fait, c'est qu'ils étaient deux mais il y en a un qui s'est pas rentré. Du coup, le kill a pu être pris quoi. Alors Tomzy, oui c'est un jeu très très agressif hein, qu'on a du côté sud-américain, hein, on l'a vu sur à peu près tous les matchs. On n'a pas de tempo ou très très peu. En fait, bah, les seules fois où ils l'ont essayé c'était au début et ils perdaient par manque de temps en fait. J'ai presque envie de dire, ils savent presque pas le faire en fait, de faire des tempos. Ils vont faire un contrôle map, mais ça va durer 30 secondes. Et ensuite, ils vont repartir directement sur un site bombe. Ils vont pas attendre 40 secondes ou 30 secondes fin du timer pour déclencher. Sur Mirage, plus t'es rapide, plus t'es efficace, oui et non, je suis pas d'accord. Après, tu peux prendre un peu de temps pour bien te positionner, jeter ton stuff en même temps. Et là, ça devient vraiment intéressant. Alors que du coup, hein, le Brésil va donc être en terreau. Il faut le mettre, hein, ce gun round du côté équatorien. Sinon, ça sent la fin sur cette première map. On rappelle, c'est leur map. Alors que du coup... Bon bah, Feno à plus, hein. Un plus. Alors que du coup hein, on va déclencher sur le site bombe A, balancer une petite CPL et c'est déjà FNX qui va prendre le premier kill sur Bounty. On est en 5v3, Showtime sur Relic. Le site bombe A qui est complètement pris, Colzera sur Piki, ça massacre. Ça massacre, heureusement que Widow est là pour prendre un double kill sur Phelps et Lucas. Maintenant il va se faire courir dessus, il va quand même prendre le triple kill sur Colzera. Attention, il pourrait le faire. Ouais, un petit ace là. Eh non, c'est FNX qui va lui coller le HS. Du coup, 11-5, le Brésil qui met son le deuxième gun round. Enfin, qui met, oui. Du coup, 11-5, c'est quasiment la map de gagner hein, pour le Brésil, à moins que l'Équateur réussisse à mettre le mur dès qu'ils auront des armes. Juste pour répondre à HS Liger, on a également un bot hein, qui limite ben, les liens et les majuscules en général. Tiens. Alors que du coup, hein, en étant 3v1, on avait réussi à prendre les intrigues du côté équatorien. Cependant, on s'est fait massacrer. Il ne reste déjà que Barret Tuki. 12-5. Bah, Barret Tuki hein, qui va quand même prendre le kill sur Lucas, il va tomber à 5 HP, 10.
Et Showtime qui l'a juste fait exploser. Il n'avait aucune chance d'échapper à cet HE, on l'a même pas entendu rebondir, rien, elle est arrivée pile poil dans son torse. Peter, du coup, 12-5 et de nouveau de la part de l'équateur, le 13-5. Même s'il y a un bon écho de la part de l'équateur qui fait tomber quand même 3 armes. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va réagresser ce Sylbomb A du côté brésilien. On lève ce Sylbomb A. Guido qui avait tenté de faire une agression de ce palais, il mettra à 38 HP. Cependant, il n'arrivera pas à le faire tomber. Du coup, c'est le perfect, perfect de la part du Brésil. Oh. C'est moche, c'est très très moche là ce qu'ils sont en train de te prendre, un 13-5 là comme ça. Là ça pique. Et Widow hein, qui va être le premier à sortir la WAP sur ce second side picky qui ne respecte plus ses adversaires, qui va sortir l'autonome. Bah voilà, qui va ressortir l'autonome. Bon bah c'est perdu pour l'équateur. Hein on a vu le skill hier de picky à l'auto-snipe. Ouais ouais, qui a pas pu contester un AK. À l'autre bout de la map. À l'autre bout de la map. On rappelle à Newgen qui a collé juste la chaise du futur à ce pauvre Piki. C'était sur cash du site bombe ouais. A au middle. Alors que du coup, hein, on va déclencher sur une petite agression sur ce site bombe A, mais c'est un fake. Mais c'est Lucas qui va prendre le kill sur Bonti, mais Barret, qui double kill sur Phoenix et Phelps. Et ça c'est très. Très mal passé pour le Brésil, la bombe qui est donc perdue dans ses appartements. Et Colzara qui va tomber sur le balle de Baratuki, mal joué de la part du Brésil ouais. Qui n'a pas réussi à prendre le kill sur Baratuki. Très très bien joué cependant de la part de ce joueur qui a réussi à défendre un site bombe à lui seul. Alors, on rappelle également Piki hier hein, qui a failli coller une tête à son propre mate. Hein. Sous la pression ou quoi, il a vu une tête dépasser, il a tiré, il l'a loupé. Heureusement. Tiens. Bon, il ne reste plus que Showtime en théorie, là c'est un round pour l'équateur. Effectivement, normalement le round qui devrait passer pour l'équateur, on devrait possiblement réussir à économiser quand même du côté brésilien cette arme. Mini Mirex qui dit il l'a loupé, ouais, comme tous les autres, oui, en effet. C'est ça, c'est exactement ça. Hein. Sur cash, il a sorti 3 ou 4 fois l'auto-snipe et il avait pris un seul kill. En tout pour tout. Et salut Picoul. Yo Picoul. Du coup, 13-6, on va pouvoir acheter du côté brésilien, on va pouvoir sortir la web sur Colzera. Est-ce que l'Équateur va réussir à mettre le mur ou pas? Pour l'instant, le premier round d'achat qui a été gagné par eux. 13-6. Voilà, Piki qui vient de perdre son auto-snipe. Mais après pour se rire, hein, mais là c'est... Voilà, c'est une blague. C'est une blague. Voilà. Du coup, quand même, hein, il aura mis quand même Colzera à 14 HP. Du coup, non, il l'aura touché. C'est un mec hein, qui a essayé de le revenge juste à côté. Oh. Et il s'est pris une HE en plus dans les pieds. Oh, j'ai cru qu'il avait touché quelqu'un, Piki. Du coup... Non, c'est pas le Piki qu'on connaît. Effectivement, c'est le Showtime hein, sur Widow, on est 5v3. On est en train de perdre les pédales du côté équatorien. Lucas sur Bounty, Relic sur Lucas. Premier revenge du round quand même de la part de l'Équateur. Alexis, c'est pas qu'on n'aime pas Piki, c'est juste qu'il est mauvais. Et bah, du moins avec son autonome. Hein. Ouais, on va dire qu'il est... Il est intéressant avec son auto-snipe. Il a une aim plutôt intéressante. Showtime sur Relic, on est dans 2v1. Barretuki, quand même, qui prendra le kill sur Showtime. Barretuki, déjà double kill. Barretuki qui pourrait le faire, hein. Mais c'est Colzera. Sur Barretuki, 14-6. Echo, moi, à streamer, vous pourrez faire un giveaway après, histoire que j'ai une chance SVP. Il y a des giveaways en marche, hein. Tu fais un point d'exclamation giveaway et puis tu vois comment il faut faire pour participer. En ce moment, c'est une M4 Roi Dragon et des codes Nitrado. Code de 5 et 10 euros. Alexis, là c'est méchant quand même pour les équatoriens.
Du coup, hein, c'est FNX hein, sur Widow, Pulsar sur Piki. De toute façon, le drop qui va être concédé à ces Brésiliens. On a même tenté un petit force pour certains joueurs du côté équatorien. On va récupérer une AK sur Barretui. Mais voilà. Hein, j'adore, je dis il faut taper point d'exclamation giveaway pour savoir comment participe. Qu'il le tape. Bravo les gars. Un seul suffisait hein, pour tout le monde. Tomzy, Barretuki, il sauve les meubles quand même. Oui, oui, concrètement, il fait du 17-18. Le deuxième, c'est Will qui fait du 14-17. Et ensuite, tous les autres sont en dessous de 10. 7-16 pour Relic, 8-18 pour Piki et 7-18 pour Banty. Alors, les codes Nitrado, hein, je vais le répéter encore une fois, c'est pour payer des serveurs TS ou des serveurs de jeu via le site internet nitrado.fr. Ainsi que des sites web. Ainsi que des sites web, merci la régie. Barretuki sur Phelps. Le draw qui a donc été concédé au Brésil. Piki oh, sur Caldera. Voilà, on est en 5v3. Attention quand même, on a une AWAP. Maintenant, un setup double AWAP. On a une M4, on a un 5-7, on a un Deagle. Certes, on a peu de stuff. Mais attention, ça pourrait passer le force buy hein, du côté équatorien. Ouais, c'est possible, hein. Bah maintenant le bot qui spam, oui vous avez demandé la commande un certain nombre de fois, bah maintenant il va la répéter autant de fois que vous avez demandé la commande. Voilà. Mais Tiberias, tu peux participer quand même sur Facebook. Disons que participer sur les deux te donne deux fois plus de chance. C'est tout. Alors que c'est FNX, hein, sur Widow, la web qui va donc tomber. Barretuki sur Shotai. Un petit 4v2. Relic hein, sur Lucas, FNX sur Relic. Il ne reste déjà plus que FNX. FNX qui va prendre un doublé sur Piki. 2v1. Il a la bombe. Il reste 16 secondes à jouer. Hein. Allez, Barretuki à la ligne. Hein. Moi, je serais pas passé de ce côté de la caisse, mais bon. Barretuki, triple kill qui sauve le round encore une fois pour l'équateur. Maintenant, là c'est pour ainsi dire finir, hein. L'équateur a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, ils font la moindre erreur, la map est concédée. Demis, il faut donc sur Facebook aimer la page, s'abonner, partager la page, mettre en commentaire ton pseudo hitbox. Du coup, écho à suivre de la part du Brésil, même si c'est une écho tech 9. Stuff, CZ seulement pour Showtime. Ouais, on a rééquilibré les monnaies à FNX qui aurait même pu acheter un AK et pouvoir gagner après. Phelps hein, qui va quand même prendre le bon premier kill sur Bounty, pardon, je bafouille. La bombe qui va être posée. Ah, c'est moche hein, si le Brésil réussit à mettre ce round comme ça. Widow sur Lucas, Barretuki sur Colzera, Widow sur Phelps, Showtime sur Widow. On est en 2v3. Showtime sur Piki, 2v2. Barretuki sur FNX. Showtime hein, qui va louper son premier tir d'AWAP, qui va toucher son adversaire. Et qui va tous les toucher, mais qui va pas réussir à prendre un seul kill. Et la bombe qui va défuse à la dernière seconde. 15-8. Ouais, non, mais là c'était très très dur. Hein. Isnote, comment on fait pour participer au giveaway? On va le répéter encore une fois, la page Facebook, il faut l'aimer, il faut la partager, il faut repartager également le commentaire avec le giveaway et mettre ton pseudo dans en commentaire. Pour Twitter, bah, il faut follow, il faut retweet et il faut également mettre ton pseudo dans les commentaires. Effectivement, alors que du coup un nouveau round achat suivra par du Brésil. Mais vraiment pas de chance pour Showtime. Il a touché ses adversaires deux fois. À chaque fois dans les jambes ou dans les bras. Et bonsoir Schtroumpf, hein. Pour moi c'est pas encore le soir, il est 18h seulement, hein. On commence seulement l'après-midi. Effectivement, alors que c'est Lucas hein, sur Relic, on est en 5v3, Lucas double kill. Quand on a des armes hein, du côté brésilien, ça c'est totalement différent. L'Équateur qui a juste pas une chance, on est en 4v2. Barretuki et Bonti qui sont encore debout.
Et Phelps, École Zera, Surbentier, Barretuki, 16-8. Le Brésil qui met donc la map de l'Équateur. On va marquer une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième map qui sera D2, la map du Brésil. Voilà, bon, bah à tout de suite, hein.